L'insecte, on l'a déjà eu, hein. C'est l'insecte qui est là. D'accord, ok. Truc bidon. Plante ton épée, il disparaît, tu peux la reprendre à Paris, y a pas de problème. Oh, ça m'a fait peur, ça, par contre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Faut que j'en tue 3. Ça me fait penser à Wind Waker. Quand on arrive vers dans le château, là où tout est en noir et blanc. J'entends toujours l'insecte par contre. Ah ah! Est-ce que c'est le même? Et donc je suis l'escargot, entre guillemets femelle. En fait, cette épée, c'est pas juste une épée, c'est aussi une clé. Elle permet d'accéder à n'importe où. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il passe, il fait tabadi, tabadi, tabadi. Temple du temps. Ben on est au temple là. J'aurais pas le temps de le finir aujourd'hui, je pense, mais tant pis. Bon, il m'a l'air super grand. Néroxys, tu ne la trouves pas bizarre cette statue-là? Jusqu'à présent, toutes les statues étaient placées par deux, mais celle-là est unique apparemment. Tu peux vérifier quelque chose avec tes sens de l'eau?
Bien ce que je pensais, en fait, il y en avait deux. Vérifie dans ce donjon si tu ne trouves pas une autre statue comme celle-ci. Oh, mais attends voir. Oui, c'est là que nous voulions aller. Ces ruines contiennent de nombreuses reliques de notre civilisation. Nous avons visité beaucoup d'endroits lors de nos recherches, mais cette fois-ci, je sens que nous touchons au but. Nous allons peut-être enfin pouvoir rentrer à la maison. Jeune homme, nous sommes vraiment très près du but. Tu veux bien nous aider? Vous retrouvez Baba. Il y a une clé qui traîne quelque part. Ouais, bah c'est ici. Obtenez une petite clé, elle permet d'ouvrir une porte verrouillée des alentours. J'ai pas envie d'utiliser mes flèches pour rien. Oh, c'est un méchant ou c'est un gentil? Ah, c'est un méchant! Il m'a fait peur, je me suis demandé c'était quoi? La carte du donjon, j'entends des chauves-souris. Je l'ai fait passer par la fenêtre. Wouhou! Elle là-bas, je peux la voir à l'arc. Je me demande s'il n'y a pas un coffre qui apparaît sur toutes les chauves-souris, c'est pour ça que je me prends la tête. Bon bah malheureusement, non, il n'y a rien.
Alors, j'ai pas utilisé les poids là, parce que je me demande s'ils vont pas m'être utiles d'une quelconque façon par la suite. Ah non, j'aurais pu, dommage. Vraiment, il faut taper à la flèche, mettre un coup de flèche dans son œil. Il y en a beaucoup, il y en a quatre. Oh, même plus. Il faudra que je revienne pour ouvrir la porte. Là, il me faut une clé, j'ai pas encore. Oh, j'ai pas vu. Ah, tiens, tiens. Veux dire qu'il y en aurait un autre? Déclenche ça, ok. Ça fait quoi? Oh, mais elles sont chiantes ces trucs là. Alors là, je me tâte à faire un truc, c'est à récupérer ça et à le balancer là-bas en essayant de pouvoir ouvrir la porte. Mais à tous les coups, je vais pas réussir. Je vais me retrouver complètement bloqué puisque j'aurai plus de. Ah, je vais quand même essayer.